Il y a 75 ans, les 16 et 17 juillet 1942, avait lieu à Paris et en banlieue la rafle dite du Veldiv. Cette opération, réalisée dans le cadre du projet nazi d'élimination des Juifs, a été menée par la police française, alors sous autorité de l'État français. Des familles entières ont été enfermées dans le vélodrome d'hiver pour être ensuite déportées, puis assassinées à Auschwitz-Birkenau. 3900 enfants ont fini leur courte vie au cours de cet été 1942. Nous donnons la parole à ceux qui n'étaient que des enfants et qui ont pu survivre. Je m'appelle Régine Lipp et fin juin 42, nous habitons rue d'Hauteville à Paris dans le 10e. Mon père n'a plus le droit de travailler dans son atelier, travaille dans un atelier autorisé. Un jour, vers le 30 juin, son directeur d'atelier lui dit « Nathan, ne rentre pas dormir chez toi ce soir. On dit qu'il va y avoir une rafle dans ta rue. » Papa a fait prévenir maman, qui est enceinte, pour ne pas qu'elle s'inquiète. Le lendemain, vers 6h30-7h, on frappe à notre porte. Trois policiers français, un en civil, demandent notre père. Maman dit « Il n'est pas là ». Après avoir fait le tour de l'appartement, un des policiers dit à maman « Bien, habillez-vous, habillez vos enfants pour un contrôle d'identité au commissariat ». Et le policier en civil dit à son tour « Non, madame, nous n'arrêtons pas encore les femmes enceintes et les enfants ». Maman est soulagée. Et quand la rafle est terminée, papa et maman n'ont qu'une idée en tête. Il faut cacher les enfants. Mais où? À qui s'adresser? Mes parents se rendent chez ma tante, qui a deux petites filles adorables. Mes parents connaissent un peu les voisins. Monsieur et Madame Madeleine, mon père se confie à eux. Et sans hésiter, Madame Madeleine dit « Je vais les emmener dans la Sarthe ». Malheureusement, ma tante refuse de partir. Même avec les enfants ou sans les enfants, Céline et Daniel et leur maman ont été arrêtés le 16 juillet 1942 pendant la rafle du Veldiv, de même que mes autres petits cousins et cousines, Henri, Thérèse, Hélène. Le dimanche 16 juillet prochain, à Paris, en présence du président de la République, nous nous souviendrons des victimes et nous célébrerons la mémoire de ceux et celles qui font l'honneur de notre pays, les justes parmi les nations. Pour assister à cette cérémonie nationale, adressez votre demande par email à veldiv@crif.org ou sur le site www.crif.org.